ça c'est à ma nièce, donc c'est pas pareil. Ça, tu l'as ou pas? Combien la DS? 40? D'accord. Bah ouais, bah je fais. Ah, vous avez à manger? On va manger ouais. Là alors. Je viens de racheter un coca. C'est ok. Okay. Voilà. Bah, vous me mettez de côté, on revient. Rester ici, moi je vais retirer. Non, mais bon, on va parce que vous me dites. Voilà, vous... J'ai pas assez. Ouais, là je vais vous donner un à-compte et tout. C'est vraiment des jeux qu'on cherche quoi. Promis, ça marche. Bon, ben on revient. Super. A tout de suite. Prenez quoi là? Est-ce que le monsieur. Pokémon, prenez pas ça? Non, pas du tout. Tu peux regarder. On a plus Pokémon Stadium 2, Pokémon Or, Argent et Transfert Pack. Ah, purée. C'est bien. Ouais, c'est trop cool. Ouais, les la console, combien? 40 avec les deux manettes. Par contre, 40. Les manettes sont abusées. Ouais. Et là, la GameCube 50 avec les deux manettes. Ah oui, par contre... Là, cette cartouche, elle fonctionne plus. Hein. Ah, d'accord. J'ai essayé, mais... Ok. Bon. Voilà ce que j'ai trouvé pour 10€. Vous avez la console Mega Drive. Pas mal de jeux. Je suis content. Le voici, ce lot Mega Drive. Je regrette une chose, c'est de ne pas avoir filmé. J'avais éteint mon APN à ce moment et ça a été tellement vite. Je passe devant un stand devant lequel j'étais déjà passé quelques minutes avant et là je vois que la personne avait déposé cette Mega Drive et exactement de cette manière, il y avait une pile de jeux. La Mega Drive, je demande le prix, il me dit d'emblée c'est 10€ le tout. J'ai à peine regardé les titres, je me suis saisi de tout ça et j'étais très heureux avec une montée d'adrénaline qui a produit l'effet que je n'ai pas allumé mon APN, donc c'est vraiment dommage pour ça. Toujours est-il que vous l'avez devant vous, cette Mega Drive 2, incomplète, il y a deux manettes, mais je n'avais pas remarqué qu'il manquait l'adaptateur secteur. Donc ça c'est un peu pénible parce que figurez-vous que cet adaptateur Mega Drive 2 n'est absolument pas le même que celui de la Mega Drive première, la première Mega Drive et la Master System. Donc c'est un adaptateur spécifique qui coûte un certain prix. Donc écoutez, j'ai pas pu la tester. Si quelqu'un dispose d'un adaptateur
adéquate qu'il me fasse signe. En tout cas, je n'avais pas cette Mega Drive 2. C'est la première fois de ma vie que je tombe sur cette console dans un vide-grenier. Et moi, j'avais eu le premier modèle de la Mega Drive en 91. Et ensuite, j'avais trouvé d'autres premiers modèles, d'autres Mega Drive. Mais pas ce modèle 2 qui est un peu plus cheap. Je crois que y a un problème, le son n'est pas aussi bon, on ne sort pas aussi bien que de la première, du premier modèle. Cela dit, j'aime assez bien le design quand même, elle est beaucoup plus petite, elle est plus ramassée, mais elle est assez jolie avec ses petits boutons rouges. À la pression, ça a l'air d'aller. Les jeux Mega Drive maintenant, cette pile assez impressionnante composée de 11 jeux, il y a un jeu Master System dedans, donc 10 jeux Mega Drive et un jeu Master System, je ne sais pas ce qu'il foutait là. Tout d'abord le NBA Live 96, donc il y a des jeux de sport, et puis il y a des jeux qui sont bien meilleurs que ça, vous allez voir. Le FIFA 95, ce qui est marrant, c'est que j'avais croisé dans le même vide-grenier un gars qui avait un seul jeu Mega Drive, et c'était celui-ci. Décidément, il a dû être pas mal distribué. Le FIFA 97, alors que, avec, regardez, les prix en francs encore marqués, donc dans chaque jeu quasiment, il y a un prix bien vintage. Là, on a 120 francs par exemple pour ce Lotus Turbo Challenge. Ça c'est un petit peu plus intéressant avec la cartouche bien spécifique d'Electronic Arts. Regardez-moi ça, Electronic Arts produisait des cartouches un peu bizarres. J'avais à l'époque James Bond qui était comme ça. Donc là on a un Super Monaco GP, mais à l'intérieur ce n'est pas Super Monaco GP, jeu que j'avais déjà, mais cette Mega Games 6, donc ça c'est sympa. Dessus on a World Cup Italia 90, Super Hang-On, Streets of Rage, The Revenge of Shinobi, Columns et Golden Axe. Ça c'est assez cool, je l'avais pas, bon dommage c'est pas la bonne boîte, mais cela dit c'est quand même bien sympa, parce que là on a une véritable compile plutôt intéressante. Le Sonic, donc ça c'est classique, hein, à chaque fois qu'on tombe dans un lot, il y a forcément un Sonic. Donc il est un petit peu abîmé au niveau de la cartouche, il n'y a pas de notice, mais on s'en fiche. Le Sonic 2, il n'est pas complet, mais à la place on a un petit poster, à la place de la notice je veux dire, petit poster spécifique, Master System, j'avais déjà, bon c'est cool. Là on arrive aux 4 jeux les plus intéressants, d'abord on a Aladdin sur Mega Drive, il est bien complet. Je l'avais déjà, il faudra que je compare mes versions et que j'optimise ça éventuellement. Super jeu, moi j'ai adoré ce Aladdin. Il est vraiment cool. Donc j'ai découvert sur le tard, c'est-à-dire plutôt récemment. J'y ai pas joué à l'époque, mais c'est vraiment de la qualité. Fire Shark, je ne connaissais absolument pas ce jeu. Donc on dirige apparemment des vieux coucous. C'est assez barré action, et ça a l'air pas mal, il faudra que j'essaye. Je ne connais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Apparemment, il n'est pas si courant que ça. Fire Shark, j'aime bien la jaquette. Et ça fait vraiment plaisir de trouver un tel jeu dans un lot. Le Wonder Boy 3 Monster Lair, donc ça c'est super, parce que tout simplement parce que je l'avais, mais sans sa notice. Et là, elle est présente, donc dans Fire Shark aussi, hein, elle est présente. Là, regardez, c'est cool, parce que c'est pas le meilleur des Wonder Boy, il est un petit peu plus axé shoot, même carrément shoot, un petit peu, il y a du shoot, et il n'y a pas ce côté aventure-action qu'on aime tant. Cela dit, ça reste un bon petit jeu. Pareil, je l'ai découvert sur le tard, mais j'ai bien apprécié. C'est assez arcade, hein, finalement. Et enfin, le Ginoog. Ginoog que j'avais en loose, simplement. C'était un cadeau de l'ami Demon Souls. Regardez, 49 francs, c'est marrant. Et là, je l'ai en boîte. Bon, il me manquera encore la notice. Je l'avais essayé, Ginoog. Je trouve ça très difficile. Je me prenais des PLS assez rapidement, parce que moi, je suis finalement assez mauvais dans les shoots. C'est comme ça, hein. Mais après, je pense qu'il faut beaucoup s'entraîner, beaucoup de die and retry. Le jeu est très stylé, et c'est du bon, c'est de la qualité. Ginoog, content de trouver ça dans un lot. Donc ce lot à 10 euros, c'est complètement dingue, c'est ouf. Et il était, je sais pas, c'était pas, il faisait pas nuit, il devait être un truc comme 8h30, 9h, je sais plus. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment dommage que je n'ai pas pu filmer cette scène. Par contre, vous m'avez vu choper cet Assassin's Creed Syndicate. Un des derniers épisodes qui me manquait sur la PS4. Bon, là, apparemment, c'est une édition spéciale, la conspiration de Darwin et Dickens. C'est inclus. On verra bien ce que ça donne. J'ai vu l'ami Tip Gaming, Yoshi Gamer, pardon, qui joue en ce moment à Syndicate. Il se fait tous les Assassin's Creed. J'aime bien, après c'est pas au niveau d'Origins et d'Odyssée, ça se voit tout de suite, c'est en vieille mouture on va dire, c'est pas, voilà, ça fait une différence, ça fait même bizarre de voir ça, pourtant c'est bel et bien sur PS4, mais c'est quand même assez sympa.
Syndicate, 4 €. Je trouvais le prix, ma foi, correct, hein, même si c'est pas un jeu qui cote, qui vaut cher, je dirais. Vous pouvez le trouver à, je pense, 6-7 € en magasin. 4 €, ça me convenait. Voilà, j'espère que ce live vous aura plu. Je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais j'espère reprendre le rythme peu à peu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, c'était Fox. Ciao.